Et salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, petit podcast très rapide et assez brouillon pour vous parler simplement de ce qui va venir dans les podcasts à venir. C'est bien, vous suivez. I see you over there clown walking. Keep it up, man. You got your wobble on. À venir sous peu, qu'est-ce qu'il va y avoir? D'abord, petite présentation du bureau, histoire que vous voyez un petit peu avec quoi on bosse maintenant. Donc le MacBook Air, on a fait déjà le petit test dessus. Le Bose Circum, rien d'extraordinaire, vous connaissez déjà. Les Compagnon 5, c'est les petites enceintes qui sont là avec le caisson de basse qui est juste en bas. C'est des enceintes qui sont capables de virtualiser un son 5.1. Donc il y a deux petits haut-parleurs dans chaque enceinte. Et ces enceintes vont être capables, donc comme je viens de vous le dire, de virtualiser un 5.1. Donc c'est deux enceintes en stéréo. Mais si votre vidéo est encodée en 5.1, vous allez avoir réellement l'impression d'avoir un retour son à l'arrière. Alors qu'en fait, ben, à l'arrière, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien du tout. C'est un mur. C'est des enceintes dont je suis très très content. Le petit iMac, c'est celui que vous avez vu dans la vidéo du MacBook Air qui est arrivé l'autre jour. C'est un i7 SSD 256Go plus 2 Tera de disque dur normal, 12Go de RAM, histoire de pas être limité dans ce qu'on fait avec. Et ça poutre grave, c'est une espèce de machine de fou. Histoire de vous montrer un petit peu les caractéristiques à propos de ce Mac, voilà. Donc on a, il est cadencé à 2,93 le i7. Donc ça poutre vraiment méchamment. Je vous aurais bien fait un petit reboot, mais je suis en train de bosser dessus justement. Il y a de l'export qui est en cours, du traitement de photos machin. Donc on va peut-être éviter de redémarrer pendant ça. Vous constaterez une photo en arrière-plan qui est assez sympathique, que je trouve du moins assez sympathique. Oui, sur le côté il y a un vieux MacBook Pro. Il n'est pas à moi, c'est celui de ma belle maman qui est adorable. Donc je lui fais une petite mise à jour dessus. Bref, rien d'extraordinaire. Il y a surtout cette petite bestiole qui est arrivée il y a peu et qui a produit la photo qu'il y a ici en fond d'écran sur ce petit iMac, fortement distordu par la lentille grand angle du caméscope. Ce petit appareil photo, c'est le Sony NEX5. On fera une présentation rapide. C'est un compact objectif interchangeable. Donc là, c'est un 16 mm 2.8. Il y a aussi également ici. Alors là, si je répète pas 15 fois la même phrase, c'est pas grave. Un 18-55 ouverture 3-5-5-6. On fera donc, je vous en dis pas plus, on fera un petit test dessus. Toujours est-il que du fait d'avoir ce mini réflexe, même si c'est entre le compact et le réflexe sans être un bridge, on est plus entre le bridge et le réflexe pour être honnête, c'est entre le bridge et le réflexe, avec la compacité d'un compact, ça produit des belles photos. Donc j'ai tendance à l'avoir toujours dans la poche et à faire pas mal de photos comme un con. Vous aurez sûrement vu que Flickr se remplit pas mal, puisque tout simplement quand on prend des jolies photos, des photos du moins, que moi je trouve sympa, après c'est pas votre avis peut-être, on a tendance à les partager. Donc vous risquez d'avoir sous peu, c'est là que vous intervenez, il faut que vous me disiez ce que vous en pensez, des petits articles ou avec juste des photos du jour, point. Et si j'ai pris 3, 4, 5 photos dans la journée que je trouve plus ou moins sympa, vous les partagez. Ça arrivera pas tous les jours parce qu'il y a la galerie Flickr, tout simplement. Il vous suffit de regarder sur le côté pour voir ce qu'il y a, et puis que si jamais tous les jours, ça va être vite relou de voir 4 ou 5 photos à la suite. Mais pourquoi pas de temps en temps une ou deux photos, peut-être pas 3, 4, 5, une ou deux photos en sélection, et puis après vous allez voir si elles vous plaisent, ce qu'il y a d'autre dans la galerie Flickr. Je pense que ça peut être sympa, ça permettrait justement d'amener autre chose que du contenu, que vidéo, de mettre des photos, de partager du contenu sans trop se prendre la tête. C'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Comme vous voyez, c'est une vidéo vraiment super rapide. Il y a aussi celui-là qui est arrivé l'autre jour, c'est le tout petit le tout petit Shuffle qui me sert pour le boulot. Si vous voulez une review dessus, il y en aura une, mais franchement, s'il n'y a aucun intérêt, c'est le même que l'ancien, même plus petit. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des trucs à rajouter, il y a les commentaires pour ça, n'hésitez pas. Et on se dit à très vite, c'était Locan pour Locan.fr. Passez une bonne fin de journée. Ciao, ciao. I see you over there clown walking.